10 ans. Des dizaines de destinations pour tenter de fuir. Mais rien ne fait oublier une promesse. C'est aujourd'hui que le premier acte s'exécute. Tâchez d'être crédible. Pour toi, Léo. Pour ne pas laisser ta tentative s'évanouir aussi vite que l'on se crée une notoriété sur Internet. Ça me paraît étrangement familier. Vous désirez ? Je viens voir mon père. Très bien. Encore faudrait-il savoir son identité ? Z. Monsieur ? Votre fils est rentré. M'étais résigné à croire qu'il t'était arrivé quelque chose. Après l'explosion, je t'avais beaucoup cherché. Mais tu semblais être volatilisé. J'avais besoin de temps pour réfléchir. À 10 ans, on n'arrive pas à faire la part des choses. Léo m'a mis en garde contre vous avec une telle haine que j'ai fini par comprendre que ce n'était qu'une lubie. Que je n'avais pas envie de partager ses idéaux. J'aime mon frère, mais je pense qu'il était trop idéaliste. J'ai pris conscience que notre société tient en place grâce aux décideurs, et je veux en être. Je suis agréablement surpris par un tel raisonnement. Tu sembles déterminé. J'ai assez observé. Maintenant, je veux agir. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. J'accepte sans hésitation. J'espère que les actions menées par Home rassasiront ta vision du monde. Ralph, je te présente Lily et Florent. De loin, mes deux meilleurs agents. Tout ça tombe très bien. Ralph, tu te joindras à eux pour la prochaine mission. Elle te permettra d'entrer dans le vif de l'action et de te familiariser avec nos méthodes de travail. On va faire quoi? Si Z t'a mis sur le coup, c'est pour que tu observes. Tu verras bien une fois sur place. Thank you.
fait. Alors, cette mise en situation a-t-elle pu éclairer ton jugement sur l'efficacité de notre travail ? C'est vrai que pour une première mission, on est assez bien mis dans le bain. J'aimerais juste avoir une précision. Pourquoi au juste devions-nous tuer cet homme ? Tu apprendras avec le temps que je ne réponds jamais à ce genre de questions. S'il y a une hiérarchie, c'est pour la respecter. Tu peux disposer. Repose-toi un peu. Tu apprendras que c'est la clé de la réussite ici. Je ne sens pas ce garçon, Zed. Réfléchis. Tu le recherches depuis 10 ans, et maintenant il apparaît de nulle part et il veut travailler pour nous. Je ne suis pas stupide, Y. Seulement il est seul, et ne peut rien contre notre système interne. Son discours paraissait assez convaincant. Mais tant que nous ne saurons pas s'il est sincère, il vaut mieux l'avoir sous les yeux. Effectivement. En prenant en considération que s'il veut vraiment nous nuire, il est seul, je me plie à cette idée. Gardons-le à portée de main. Bien joué pour aujourd'hui. Ça s'est un peu trop bien passé à mon goût. Pourtant, il semble avoir cru à ton désir de puissance. Ton entretien avec Zed a fait écho et j'ai croisé pas mal de gens qui te voient comme un concurrent redoutable. C'est bien ça le problème. Selon tes plans, je devais faire mes preuves pour m'imposer à tes côtés. Là, les portes sont ouvertes trop facilement. Je devrais relâcher un peu la pression. C'était que la première étape et la plus facile.